Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est encore une fois sur le thème de la K-pop et sur le fait d'unboxer un album et de voir qui c'est qu'on a dans les photocards, etc. Je sais que j'avais dit que ce serait pas de sitôt que je referais ce genre de vidéo, sauf que vraiment, Aespa, j'aime beaucoup et avoir acheté le premier album, enfin, le deuxième album et mon premier album pour moi, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, ça m'a déclenché une envie d'avoir le premier qui était sorti qui est Savage. Donc, je l'ai commandé et là, juste avant de partir en vacances, je suis chillax. Alors, je vais pouvoir voir quoi et qu'est-ce. Sachant que pour l'album Girls, j'avais échangé mes photocards pour celles de Ning Ning, là je souhaite avoir juste du Ning Ning tout simplement, direct, to the point, pas besoin de passer par des échanges. Donc écoutez, je croise les doigts, j'ai commandé sur Amazon cette fois-ci, parce que c'était plus disponible sur Taiyou. Et apparemment, il y a 5 extra photocards, alors je sais pas si c'est des vrais ou vraiment je ne sais rien. Je vais juste découvrir et c'est la version Hallucination Quest, il me semble que ça s'appelle comme ça, je ne suis plus très sûre, mais il me semble. Et on a une photocard normale et une photocard un petit peu glitchée, enfin j'aime trop ça, c'est vraiment trop stylé. On va passer à l'unboxing et ensuite je vous montrerai de ma vision spéciale unboxing d'album, tout ça. Donc bam, c'est dans un emballage Amazon, tout ce qu'il y a de plus classico-classique. On va open ça. Boum. Et puis écoutez, on passe à l'unboxing dès maintenant. Donc nous voici, nous voilà dans cette position où vous ne voyez pas que ma bouche. Là c'est mon casque et là c'est le fil de mon ordinateur qui est juste ici. Donc merci de ne pas juger, on est sur mon lit. Et puis c'est parti à mon kiki. Un album. Dans du petit papier bulle, oh my god, je vois déjà plein de trucs. Et c'est ça je pense, des genres de trucs extra par rapport à Amazon, c'est des freebies mais peut-être pas spécialement officiels, je ne sais pas trop. Hop, c'est très bien. Là, on a les petits trucs en extra, je crois, dont un pocket mirror, normalement. On regardera après, donc c'est pas des photocards au final. Je pensais que c'était des photocards parce que c'était marqué comme ça. Mais ce n'est pas grave. Et hop, là, on a El Famoso album. Très mignon, très beau. On va l'open aussi. Hein. Elles sont vraiment trop cool. J'adore Aespa, vraiment. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit effet holographique. Ah, on voit dans le replay, c'est génial. Tac. Et le dernier, il est comme ça. Alors, je pense que les photocards sont ici. J'ai envie de tous les tâches sans voir. Wesh. J'enlève des posters aussi. Bah, attends, c'est parfait. Hop, je regarde pas les posters. Ils vont cacher tout ça. Et on va passer au petit visuel de cet album. Et vu le holographisme, j'aime trop. Waouh! Oh. Elle est vraiment trop belle, là. J'adore. Ning. Ning Buzz. J'aime trop leur outil, vraiment, je trouve le... Oh, incroyable. Je trouve leur concept, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, absolument trop cool. Et toutes leurs tenues, elles sont tout le temps tellement stylées. Genre leurs chaussures, sur les scènes qu'elles font, bah c'est toujours trop stylé, je trouve, ça change. Et j'aime bien que ça change. Je crois que je préfère les photos de l'album Girls, dans la version Kwangya. Mais après, j'aime quand même extrêmement. C'est waouh, trop belle. Ouf, mon sang madame. Ah, j'aime trop cette photo. L'ambiance elle est trop cool. Oh c'est trop bien, regardez. J'adore. Bon, franchement elles ont tous le potentiel d'être visuelles je trouve. Elles sont vraiment toutes trop cool. Oh cette photo elle est trop stylée. J'aime trop ces photos là. Je valide totalement. Ah oui, comme ça, on a Ning ici. Je vais dire, mais elles sont trois, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Hop, et là, c'est ceci, cela. Dingus. Je sais pas ce que le CD est du coup dans ce que j'ai viré. En tout cas, voilà pour le photobook. Et je vais faire une petite aparté que je n'ai pas faite pour l'autre. Mais au niveau des musiques qu'on a dedans, je les aime bien toutes, forcément. Mais je dirais que ma préférée dans tout ça, c'est A-Energy. Elle est vraiment trop cool. On a Savage, I Make You Cry, Yippie Yippie qui est très drôle, iconique, et Lucid Dream, donc j'aime tout. Ma chanson préférée de Aespa restant, Black Mamba bien sûr. Donc hop, on va laisser ça sur le teco ici même, et on va prendre les trucs extra par Amazon. Donc tout d'abord, le petit miroir. On a toujours besoin de ce petit miroir de poche aussi. Normalement quand je refais mon splitter, je ne vois rien de ce qui se passe à l'arrière, donc c'est juste un banal miroir. Attendez, coucou c'est vous. Et ici, hop, on a juste un visuel des filles. C'est un peu flou, vous voyez pas trop bien. Mais la photo est très mignonne, j'aime bien, c'est sympa. Ensuite on a ceci.
Ok, donc c'est un petit peu des, ouais, des postcards. Donc c'est pas des photocards, hein. Merci de ne pas me mentir comme ça. Hop. Putain, désolé, ah, elles sont un peu floues, j'ai l'impression. Oh, j'aime trop. Oh, elles sont trop cool, j'adore. C'est vrai que la qualité des photos, elle est un petit peu floue, mais bon, écoutez, c'est en extra, on va vide. J'aime bien. Hop, j'ai posé ça ici même. Et on va passer à ceci. Donc là, on a El Famoso CD, qui est tout aussi en holographisme. C'est vraiment trop beau, le... J'adore. On va avoir les photos gammes, mais je préfère ne pas les voir. Alors attendez. Au pire, je vais mettre ça là-dessus, comme ça je ne vois rien. Et je crois que là, on a un poster de chaque membre. Tout d'abord, le trop beau poster de Karina. Je l'aime trop. Ensuite, on a celui-ci de Ning Ning, la Giga Boss. Oh, les visuels sont vraiment trop beaux. L'esthétique des posters me plaît énormément. On a Winter. Ah, c'est si stylé. Et pour finir, mais pas des moindres, la petite Gisèle. Hop, voilà, voilà. On va pouvoir passer aux photogardes. Alors, je ne sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers, je ne veux rien savoir. Hop, là on a la petite plaquette de tatouage, vu que c'est à l'envers, etc. Je ne vais pas l'utiliser, je pense. Parce que, à quoi bon se tatouer à Espa? La petite pub de SM, comme à l'accoutumée. Et attendez, hop, on va faire à l'aveugle. La première, c'est Gisèle. Oh, elle est trop cool, regardez. J'adore Gisèle, vraiment. Mais je pense que, malheureusement, je veux trade avec Ning Ning, bien sûr. Parce que la pièce de Ning Ning de cet album est absolument adorable. Mais Gisèle, trop belle avec ses petites étoiles et tout. Elle est so kikine. Et la deuxième, la lenticulaire, je sais pas quoi. Ah bah j'ai aussi Gisèle. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais hop. Hop, comme ça. C'est pas trop stylé. J'adore. Et ça a une texture particulière. Enfin franchement, j'aime beaucoup. Donc, re les potos, on se retrouve pour la petite conclusion de la vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu deux fois Gisèle. Donc je pense pour l'instant garder la version avec des glitches. Je crois que ça s'appelle la lenticular card. Et j'ai mis sur mon Vinted à échanger la PC de Gisèle. Si elle est toujours pas échangée d'ici là, j'aimerais l'équivalent de Ning Ning ou de Winter ou d'autres PC de Ning Ning. Voilà, n'hésitez pas à vos propositions, je suis prête à tout. Et en tout cas, j'ai remarqué un truc, c'est que le photobook, on voit les traces de doigts étant donné que c'est une matière un peu holographique, etc. Mais c'est pas grave, va bene la bella. En tout cas, je suis ravie de cet achat. Là par contre, je vais vraiment me calmer au niveau des albums parce que j'attends la prochaine sortie d'Aespa. Et à la rigueur, si les titres que Twice vont sortir pour leur prochain album, je pense que d'ici là, ce sera déjà sorti Pin Twin, One and Two, n'est-ce pas? Si ça me plaît, je prendrai lui, mais je ne promets rien, parce que voilà. Mais je sais que les albums de Twice sont assez généreux au niveau des photocards, etc. Donc je verrai bien, mais si j'aime pas trop les musiques, je le prendrai pas. Dans tous les cas, tout sera sur ma chaîne YouTube, parce que ça va être une nouvelle catégorie, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, voilà.